Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Compagnie of Heroes 3. On se retrouve sur la carte de campagne italienne comme d'habitude. Et on va donc lancer toutes nos petites actions. On devrait pouvoir capturer quelques territoires normalement. Et requis hors combat. Mais encore. Pas capturer ça? Ok. Parce que je les avais mis en marche, je m'en souviens peut-être pas. Ouais, j'avais peut-être plus ou moins déjà tout fait, c'est possible. Ah, eux, je les ai pas fait par contre. Ok, alors du coup, on va réparer la cible. Évidemment, j'espère que ça va suffire. Ouais, ça va suffire. Avec eux, on va venir prendre ça. Et avec eux, on va foncer sur la ville. Un pont pas si loin. C'est parti. Men, the Germans are falling back, but they destroyed this bridge, cutting off one of our key supply routes. They've also badly damaged our defensive emplacements. We need to get some engineers in there to make repairs to both the bridge and the emplacements. This route is vital to our supply lines, and we need you to get it reopened as soon as possible. Right, Corporal Conti, over to you. Okay. Okay, let's get this supply route back up and running. Ok, on va faire cette amélioration là. Ça. On va améliorer ça aussi. Engineers and sappers are vulnerable to enemy fire. So, protect them while they work. Understood? Good. Yeah, yeah, just watch where you point that. Ça roule. Let's advance. Keep an eye out for Jerry. What do you need? Alors, on va également faire une autre section de fusillés. Section de génie d'assaut, allez. Je pense qu'on a pour le moment pas assez pour faire autre chose de toute façon. On va avancer en attendant les fusillés. Et il commence directement avec des armes différentes, c'est pas mal ça. Équipe M13 lourde, équipe Bazooka, tireur d'élite, transport. Double sélection pour ça. Ok, on va faire ça. Allez, on va venir prendre l'autre point qui est là maintenant. Ok, let's go. You've got! Boys away! Alright. Get on
Ok, on va s'en débarrasser. Et on va même balancer l'explosif dedans. Voilà, on va être tranquille comme ça. Parfait. Eux, ils vont les réparer. Et on est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Les mitrailleuses, ouais, on va prendre un tireur d'élite, hein, parce qu'on sait que c'est à quel point c'est efficace. Ok, le sniper il y passe direct. Ouais, on va leur prendre ça quand même. Et on va bien évidemment aller prendre ce point. J'ai bien fait de bouger la Jeep parce qu'elle allait se le prendre. Hein. Ok, parfait. Eux, à la limite, ils peuvent aller se refaire une santé. En attendant, on a un mortier. Pour aussi construire un garage. Merde, je vois personne, c'est bizarre. Bien surpris qu'il n'y ait pas la troupe. Ok, ils sont là. On va bombarder dans la zone là. On s'est fait choper par derrière là. Allez, on les défonce là. Ok, donc ça on va s'en occuper. Là on va avancer ici. La Jeep. Ouais, c'est la Jeep en couverture. Ok,
Là, le sniper il fait le taf, hein. Ok, alors ça c'est plus embêtant. Je me doutais bien qu'il allait pas falloir que je tarde à faire quelque chose avec. On va prendre le char léger, on va le demander là-bas évidemment. Les pots de char, c'est encore un peu trop tôt. Par contre, on va faire des équipes bazooka, hein, clairement. Alors là, ça veut dire qu'avec eux. Et on va le péter vite fait, bien fait. Faire ça. Ouais, faut reculer par contre, vite. Ouais, ça va nous soutenir un peu tout ça. Le char qui va arriver à bon escient. La Jeep! En avant. Et ça recule beaucoup plus hein, quand même maintenant j'ai l'impression l'IA. Ok, bon, on va se calmer un petit peu, on va ramener eux. Qu'est-ce qu'ils ont sprint, c'est bien. J'espère qu'il va bien tirer ce tank à un moment, ce serait bien. Il faut le charger là par contre. Hein. Allez, on le lâche pas. Voilà. Ok, bon, vous venez là. Vous allez aller le réparer. On va aller prendre. On va commencer à aller prendre les points en arrière. Je pense qu'on va pas pouvoir faire des chars tout de suite parce qu'on manque de carbu. Rang. Points pour ça là, c'est pas mal ça. Allez, on va aller prendre ce point aussi. Même si clairement on est à fond point d'effectif, mais c'est pas grave. Ah mais on a toujours pas pris ce point là. Oh mais quel idiot. Here. Let's take it.
N'importe quoi, moi. On va aller voir par là. Sniper, rebasing. Rifle at the ready, making my move. Target secure. Boys are yeah, we're taking it from here. We come, Carrie. Reese's stand to. Where she goes. Sniper, report relocating to new location. Enemy infantry, close it in. Attack, boys. Alors, déjà on va faire venir un char comme ça. Et au passage, on va envoyer un petit bombardement ici. Ah, ok, lui il est mort, merde. Allez, allez, faut reculer. Oh mais ils ont survécu là-bas, c'est pas vrai. Sniper vite. Voilà, ça c'est fait. Du coup, ici, on répare lui, c'est ok. Là, on avance. On va refaire de la troupe, hein. Ouais, par contre barre-toi. Voilà, un petit coup de lance-flamme au passage. Voilà. Voilà, ils sont beaucoup coincés eux-mêmes, ça me va. Alors lui, débloquer trousse de soins, en fait, voilà.
On grenade dedans. Voilà. On va fuir. Donc là-bas, j'ai vu qu'il y avait... Allez, recule, 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 recule. Alors, c'est terminé. Les ingénieurs ils sont là. On va leur demander de réparer le pont. Et en attendant on va aller capturer le dernier point là-bas. Ils devraient pas nous poser de problème. Je préfère les prendre d'avance parce que si je me dis que s'il y a une suite de missions au moins. Parce qu'à mon avis la mission ne s'arrête pas là. Je ne pense pas en tout cas. Moi ce sera fait. Et au cas où, on va faire un Sherman. C'est pas là, c'est là d'ailleurs. Eux, ils en ont pas. Eux, ils en ont pas. Lui, on va le soigner. Ouh là 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 là. Oh, on aurait bien du parachutiste là. Il me fait le plaisir de les allumer par contre, ouais. La grenade qui a bien fait son effet là.
on les a bien défoncés. Et la réparation devrait pas tarder d'être terminée. Non, c'est tout. Bon, bon, ça va. Ah. Non. J'ai vu un char allemand à droite. Hein. Ok, ça va alors. MVP, hein, c'est... La Jeep. Jeep mitrailleuse, hein. Efficace. Et normalement on aura pris Kayazo, pas encore. Pas encore, pas encore. Si, ça y est, on l'a pris. Quand vous capturez un port maritime, un navire de classe Mang gratuit est ajouté. Ah oui, d'accord, c'est une amélioration. Ok, parfait. Nickel, bah je crois que c'était tout hein, parce que là du coup je peux pas, là je peux pas, là je peux pas non plus, ce sera au prochain tour tout ça. Par contre là on aurait pu venir bombarder éventuellement, donc on est à fond. C'était pas ce que je voulais faire, quartier général, mais c'est pas grave. Je peux pas faire un autre bombardier justement. Si, bon bah allez, on va le faire. On va le faire et en attendant, toi, tu vas venir bombarder. Bon, y a plusieurs trucs hein, qui sont bombardables, mais on va venir bombarder ces deux-là déjà. Ce sera toujours ça de prix. Ah ok, j'avais pas vu qu'il y avait un canon d'essai ici. Pas grave, ce sera le prochain sur la liste. Et on met fin au tour. Anzio-Annie's hit us again. Commander, we have to neutralize that gun. Ouais, ben je sais bien, mais... Still hammering our companies. Je vois tout ça. Visiblement, on le gagne. Donc je vais faire une résolution auto. Voilà. Parce qu'on peut pas faire toutes les batailles non plus hein. Position regarding supplies. We must endeavor to capture ports, airfields, and any other supply points we find. Doing so will both strengthen our position and weaken the enemy's. Rumor has it these supply lines of yours are bringing you scotch. That would certainly explain why you're so keen on them. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un destroyer, on peut pas. Cuirassé, il aurait fallu le faire, mais pour moi je peux pas. Quoi, canon machin là, je veux bien, mais déjà je sais pas où il est.
On va y aller petit à petit, hein, mais... doucement. Ici... on va avancer. Si je fais en résolution auto, on va le faire en résolution auto, ça va les faire reculer un peu déjà. Et on a du point. On peut débloquer un groupe de combat, ok. Suite des terrains, et confère une escorte du génie d'assaut équipé de Thompson. Deux Sherman qui pourraient... Enfin, 4 points et après plus tard on peut en avoir carrément encore deux autres. On a vécu le dépannage qui peut réparer le panneau, récupérer des ressources, c'était pas pour récupérer des véhicules détruits. Ouais, c'est pas mal. Un second lance-flamme au génie d'assaut. Ah ouais, c'est pas mal ça. Si je vais prendre ça en fait. Ça aussi c'est pas mal du tout en fait. Combat tous les véhicules effectuer automatiquement des réparations critiques. Donc ouais, non, on va peut-être pas prendre plus que ça. C'est vrai que de l'anti-char, ça pourrait être bien aussi, on peut pas en faire de base. Maintenant, oui. Alors, dans un autre genre... comment va notre avion, là? Oh, ça devrait le faire. Un petit bombardement sur ça. Ils détruisent ça. Ils ont 5 points aussi. Hein. Fusée éclairante de raid. Fusée reconnaissance dans une cible pour quand même la visibilité. C'est pas mal ça. Améliore la compétence de raid pour qu'elles envoient des projectiles tirés après les fusées éclairantes. Ouais, alors ça, je sais pas. On va plutôt augmenter la durée, ouais, je préfère. Bonus de munitions, entraînement rigoureux, fusil mitrailleur, couverture de fumée, ouais. Améliorer la compétition accompagnée en augmentant la quantité de réparation. On va prendre des bazookas. C'est quand même bien pratique hein, les unités bazooka, donc je vais les prendre. Pour eux, ok. Donc ça c'est fait. Ensuite ici, je devais pouvoir prendre ça, je crois. Non, ça sera en deux fois. Là par contre, ça devrait le faire. Nickel. Réposition ennemie le long de la ligne de front, affichant les compagnies et les emplacements. Ah, c'est pas mal ça. À voir sur le papier, mais... de chaque ville, dépôt et aérodrome. Ok. Ouais, donc peut-être là, là. Enfin, je pense que je les voyais déjà d'ailleurs, mais bon. Ensuite, est-ce qu'on peut bombarder avec lui? Je pense que oui. Mais bon, on va s'abstenir pour le moment. Il ne reste plus qu'eux, mais eux, je crois que je peux pas faire grand-chose. Si je peux faire un petit barrage de compagnie. Éventuellement, on peut tirer sur... ou sur eux même, tiens, on va les affaiblir. Pourquoi pas? Et on va mettre fin au tour. Ouais, bah ça, Zub, hein, franchement... Oui, bah j'ai compris. Si je fais une réseau auto... ouais, c'est bon, on le fait.
Normalement, il devrait se faire tirer dessus, lui, voilà. Résolution auto. Ouais, terminé. Ouais, je vais essayer de faire un peu de résolution auto maintenant, hein, parce que sinon la partie va être vraiment longue. Oui, il va me tirer un peu dessus, ok. On a des paras. Ah, là par contre, on n'est pas en bonne position. La louve à feu, ok. Let's go. Là, je suis obligé de la faire. Si je suis en position un peu douteuse, je la fais. Et je vais mettre fin à l'épisode ici. Ok, faut défendre, je connais. Ok. Je vous laisse donc pour cet épisode et on verra cette bataille lors du prochain épisode. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur les jeux du cygne. Bye bye.